fait? Devine. Bon? Mauvais? Plutôt bon. Enfin, je crois. Une remise de peine? Oui. Mais c'est pas tout. Je suis libérable. Je sors la semaine prochaine. Non. Si. Et tu te demandes si c'est bon? Ça va pas dans ta petite tête? Mais c'est pas si simple. Tu le sais bien. Quand on est enfermé, on ne pense qu'à une chose, sortir. N'empêche qu'avant même d'être dehors, les problèmes vous assaillent. Oh, ça, ma fille, si tu veux vivre sans problème, hein, mieux vaudrait rester là. La liberté, ça se paye. Et plus cher que tout, même. Oui. Et ton mari? Je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse. Il y a plus de 2 ans que tu réfléchis. Mais c'est pas pareil. La semaine prochaine, je serai vraiment dans les rues de Paris. Et si je rentre chez nous, je verrai pour tout de bon que Jacques n'y est pas. Il vit complètement avec cette femme? Depuis quelque temps, oui. D'après ce que tu m'as dit, ça ne lui ressemble pas. C'est bien ce qui m'inquiète. Écoute, j'ai pas de conseils à te donner, mais à ta place, je ne cambergerai pas trop. Hein. De toute façon, les choses ne se passent jamais comme on les prévoit. Mais c'est pas une raison pour laisser faire le hasard. Je veux mettre toutes les chances de mon côté. Quand on est l'épouse d'un homme à femme, il n'y a guère que 2 solutions. Se taire et rester, ou s'en aller. Enfin, tu peux quand même pas les tuer toutes. Une fois suffit. Sois tranquille. 2 ans de ce pensionnat me suffisent largement. D'autant que je vais avoir 38 ans. 38 ans, et ça se plaint. Ah, si je pouvais les revoir, tiens. Et l'autre, quel âge? 26, je crois. Diable. Oui, comme tu dis. Et celle à qui tu as fait passer le goût du pain, elle avait quel âge déjà? 25. Il les aime jeunes, on dirait. Oui. Il fut un temps où ça me rassurait, mais plus maintenant. La dernière fois qu'il est venu, je l'ai trouvé... Oh... Donc, pas vieilli, non. Mais... assagi, calme. Trop calme. Ce que je comprends pas du moment qu'il a envie de divorcer, c'est qu'il attende. Avec ta condamnation, il pourrait l'obtenir facilement, le divorce. C'est peut-être qu'il n'y tient pas tellement. C'est drôle. Quand je t'ai jamais posé de questions, c'est pas mon genre. Mais d'après le peu que tu m'en as dit, je trouve bizarre ton mari. Même pas. En fin de compte, il n'est ni meilleur ni pire que la plupart. Un peu plus lâche, peut-être. Mais c'est même pas sa faute. Personne ne lui a jamais appris à faire face. Tout a toujours été trop facile pour lui. Un enfant gâté, quoi. Et c'est à ça que tu t'accroches? J'avais 24 ans quand on s'est connus. Il en avait 21. Je me faisais l'effet d'être sa mère. J'en suis tombée éperdument amoureuse. Et... je me suis imaginée que ce serait facile. Exaltant, même. Et que je saurais en faire un homme. Et pourquoi tu n'as pas renoncé quand tu as vu que ça ne marchait pas? Parce que je suis têtue, probablement. Et puis aussi parce que les déceptions, finalement, ça lie autant qu'autre chose. Et toi, qu'avec une seule, tu peux pas savoir. Et 10 ans de vie commune, c'est indélébile. Oui, oh, façon de parler, hein. On en voit tous les jours qui se séparent après plus longtemps que ça. Mais séparation physique, uniquement. Si cette fille me prend mon mari, elle ne pourra pas m'empêcher d'entrer chez elle en même temps que lui. Possible. Mais ça ne t'empêchera pas de rester seule dans ton coin. La séparation physique, comme tu dis, ça compte. C'est bien pourquoi j'ai l'intention de me battre. Ce ne sera sans doute pas facile, mais... je crois pouvoir l'emporter. J'en suis presque sûre, même. Qu'est-ce que c'est? Mais je vous avais demandé de ne pas me déranger, hein? Ah bon.
Oui, très bien qu'il entre. Oui. Je peux ? Mais oui, bien sûr. Quand ta secrétaire est furieuse, il paraît que t'es très occupé. Et pas mal, oui. Bon, comment vas-tu ? Plutôt bien, et toi ? Ben, ça va. Mais ça irait encore mieux quand je t'aurais dit ce qui m'amène. Ouais, assieds-toi. As-tu besoin d'argent ? Ah non, c'est fini, ça. Je te remercie. Non, je suis retombé sur mes pieds. C'est plus délicat. Ah. J'ai vu ta femme hier. Ah ? Oui. À Paris. Qu'est-ce que tu dis ? Elle a été libérée avant-hier. Non, mais enfin, c'est une blague. Pas du tout. Elle m'a téléphoné de son hôtel le lendemain de son arrivée. De son hôtel ? Elle est descendue à l'hôtel ? Oui. Elle ne voulait pas rentrer dans un appartement désert, poussiéreux, sans chauffage. Et pourquoi ne m'a-t-elle pas prévenue ? Elle avait envie de voir d'abord un coiffeur et quelques boutiquiers. Tu sais, la mode a fait pas mal de chemin depuis 2 ans, tu sais. Mais bon, et alors, pourquoi ne m'a-t-elle pas téléphoné ? Pourquoi est-ce toi qui viens me voir, hein ? Je suppose qu'elle n'avait pas envie de te retrouver par téléphone. Alors elle m'a demandé de te prévenir, c'est tout. Mais me prévenir de quoi ? Et elle compte rentrer vendredi soir vers 19h. Elle aimerait que tu fasses remettre un peu d'ordre dans l'appartement et que tu sois là pour l'accueillir. Vendredi soir, 19h. Hein ? Et si j'avais à faire ce soir-là, hein ? Elle y a pensé. Tu peux fixer un autre jour, elle doit me rappeler demain. Ouais, pas la peine, je vais l'appeler, moi. Hein ? Où est-elle descendue ? Ah, ça, aucune idée. Alors, on s'est rencontrés dans un café, c'est elle qui me téléphone. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce roman ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Je ne sais pas, elle ne m'a pratiquement rien dit. Bon, simplement, Oui ? La femme avec qui tu vis en ce moment, c'est sérieux ? Oui, c'est très sérieux. J'en ai d'ailleurs parlé à Olga et je lui ai dit que je voulais divorcer. Elle t'en a parlé ? Non. Bah, pourquoi cette question, alors ? Bah, je sais pas, c'est difficile à dire. Ça ne me regarde pas, mais... Mais quoi ? Allez, enfin, vas-y, parle ! Bah, écoute, j'ai une drôle d'impression, tu vois, c'est bizarre. J'ai retrouvé Olga trop souriante, trop sûre d'elle-même. Elle semble persuadée que vous allez reprendre la vie en commun, comme si rien ne s'était passé. Elle se trompe, voilà tout. Ne sois pas si léger, hein. Excuse-moi de te dire ça, mais... Tu sembles oublier que ta femme a déjà commis un meurtre pour ne pas te perdre. Oh, on n'oublie pas ce genre de choses, crois-moi. Ouais. Mais on ne le réédite pas non plus si facilement. Non, c'est drôle, tu vois. De tous vos amis, je suis probablement le seul à ne pas avoir pris parti. J'ai continué à te voir, je suis allé visiter Olga en prison, et... malgré ça, je n'ai jamais rien compris à votre comportement. Ça. Notre comportement ? Oui, que tu aies pris la défense de ta femme aux assises. Bon, bah, passe encore. D'ailleurs, Simone Vendrell l'avait provoquée. C'est elle-même qui avait posé un revolver sur la table. Bon. Mais tu l'aimais, toi, Simone ? Oh, passionnément, oui. Alors, mais de charger Olga ne l'aurait pas ressuscité. Non, c'est pas ce que je veux dire. Si tu avais demandé le divorce après sa condamnation, Olga aurait eu plusieurs années pour se faire à cette idée. Et puis, au lieu de ça, tu laisses courir, tu vas la voir régulièrement... Et puis, brusquement, un beau jour, tu lui annonces que tu veux divorcer. Oui, que veux-tu ? Je ne pouvais pas prévoir. Et pas prévoir quoi ? Après la mort de Simone, une fois le premier choc passé, je me suis senti terriblement responsable. Si je n'avais pas trompé Olga, si je n'avais pas menacé de la quitter, surtout, rien ne serait arrivé. Alors j'ai décidé de ne pas quitter Olga, de l'attendre et de continuer, tant bien que mal. Et l'idée ne t'est pas venue que durant tout ce temps, tu rencontrerais d'autres femmes. J'ai pensé que j'aurais des aventures et rien d'autre. La mort de Simone avait guéri des amours passionnels. Provisoirement. Non, je ne m'étais pas trompé. J'ai bien eu quelques aventures, il n'y avait rien d'important, pas de problème. Et puis, un beau jour... Une nouvelle passion. Oh non, pas du tout. Non, une aventure toute simple, confortable, charmante, avec un petit bout de femme qui m'amusait... Un petit bout de femme qui, peu à peu, sans le vouloir et sans rien faire pour cela, m'a fait comprendre que c'était véritablement l'amour. Je t'étonne, hein ? Ben, oui, tout de même. Tu ne le seras jamais autant que moi, hein ? À 35 ans, après je ne sais combien d'aventures, après Olga, après Simone, je me retrouve... Comment dire ? Tu vas te foutre de moi, mais tant pis. J'ai l'impression d'être un homme tout neuf. Et tu as l'intention d'expliquer ça à Olga ? Non, c'est déjà fait, je l'ai prévenue que je voulais divorcer et que rien ne pourrait m'arrêter. Elle n'a pas dit non, elle m'a simplement demandé d'attendre sa libération. Mais tu aurais mieux fait de passer outre. Les choses auraient été plus simples. Les choses ne sont jamais simples avec Olga.
J'espère qu'elle comprendra et je ferai tout pour l'aider, mais dans tous les cas, c'est bien fini, tu sais, elle et moi. Tu peux le lui dire, d'ailleurs, si elle t'en parle, hein. Bon, eh bien, écoute, je veux bien essayer de la préparer un peu, mais j'ai dans l'idée que ça sera pas facile. Hein. Non, je sais pas d'où ça vient, mais elle m'a paru terriblement sûre d'elle. Oui, bon. Olga a toujours été, tu sais, sûre d'elle. La seule différence, c'est que je le suis aussi, maintenant. Enfin, dis-lui que c'est d'accord, je l'attendrai vendredi. Bon. Du café? Non, merci, mon chéri. Tu as l'air préoccupé. Un peu, oui. Des ennuis? Un contretemps, plutôt. Veux-tu que nous sortions? Non, au contraire. Non, il faut que je te parle. Oui, c'est quelque chose qui nous concerne. Ah? Oui. Et viens t'asseoir là, viens. Viens. Mets ta tête là. Et écoute-moi, mon amour. Voilà, c'est quelque chose que nous attendions, mais qui arrive un peu plus tôt que prévu, c'est tout. Ta femme sort de prison? Elle est déjà sortie. Oui, elle est à Paris depuis 2 jours. Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je ne l'ai appris que cet après-midi. Elle est descendue à l'hôtel et elle a pris contact avec un de nos amis, Daniel Lecière. Mais pourquoi à l'hôtel? Elle ne voulait pas rentrer dans un appartement vide. Alors elle me demande d'y faire mettre un peu d'ordre et de l'y attendre vendredi soir. Mais pourquoi ne t'a-t-elle pas prévenu avant d'être libérée? Tu aurais pu faire le nécessaire et elle serait rentrée directement chez elle. Oui, ça aurait été trop simple. Olga ne fait rien comme personne. Je te l'ai dit souvent. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que je vais faire? Mais tu ne vas pas être obligée de te réinstaller là-bas tout de même. Je n'y pense pas, voyons. Je vais aller m'expliquer avec elle et voilà tout. Par la suite, je la verrai de temps en temps. Je ferai de mon mieux pour l'aider à se réorganiser. Me replonger dans la vie après plus de 2 ans d'absence, ça ne doit pas être très facile, tu sais. Oui, j'imagine. Surtout seule. Tout de même, si tu avais divorcé après le drame, ça aurait été plus simple. Pour tout le monde. Oui, sans doute, oui. C'est probablement stupide, mais je suis pas très rassurée. J'ai l'impression que ça n'ira pas aussi facilement que tu sembles le croire. Non, écoute-moi bien, mon chéri, écoute-moi, je t'aime. Et de telle façon que personne ne pourra jamais rien contre toi. Ma femme se fait sans doute encore des illusions. Tu as raison, elle doit penser que je suis lancé dans une aventure et qu'avec un peu de patience, elle me verra revenir. Eh bien, elle se trompe. Et elle le saura dès vendredi, ça, rassure-toi. Mais tu lui as parlé de moi déjà? De toi, de nous et de notre mariage, oui, je te l'ai dit. Et si... Oui. Non, c'est plus fort que moi, j'ai un peu peur. Je peux pas oublier qu'elle a déjà... Ne sois pas ridicule, alors voyons. Non, ne ris pas. Non, c'est pas pour moi que j'ai peur, c'est pour toi. Oh. Cette façon d'arriver sans prévenir, d'attendre plusieurs jours... Elle a eu tout le temps de se procurer une arme depuis... Non, écoute Claire, je t'en prie. Commence pas à te faire des idées. Non. D'une certaine façon, Olga est une femme redoutable, c'est vrai, mais c'est tout de même pas le monstre que tu sens l'imaginer. Non, laisse-moi faire. Ne t'inquiète pas, tout se passera très bien. J'aimerais te croire. Seulement... Seulement quoi? Je sais pas, c'est difficile à dire. Tu n'as pas l'air très convaincu toi-même. Pas convaincu? Non, tu cherches à me rassurer, mais j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Regarde-moi, ma chérie, regarde-moi bien. Depuis que je te connais, j'ai beaucoup changé, je te l'ai dit. Et je t'ai dit aussi qu'auparavant, je n'avais pas mené une vie très exemplaire. J'ai trompé ma femme, j'ai eu des aventures, beaucoup d'aventures. Je ne t'ai peut-être pas tout dit de mon passé, mais enfin, peu importe, c'est pas de ça qui compte. L'important, c'est que je sois devenu un autre homme, vraiment. Et que je t'aime. Je sais bien que tu m'aimes. C'est pas ça qui me préoccupe. Mais j'ai peur de ta femme, peur de ses réactions, et
et j'ai l'impression que tu n'es pas très rassuré toi-même. Mais tu te trompes, je te le jure. Enfin, je n'irai pas jusqu'à dire que la soirée de vendredi sera une partie de plaisir, non. Mais je n'ai pas peur, et je peux t'affirmer une chose, quoi que puisse faire ou dire Olga, elle ne m'empêchera pas de te rejoindre. Allô, Daniel ? C'est moi, Jacques. Est-ce que tu as vu Olga aujourd'hui ? Mais non, mon vieux, justement, c'est pourquoi je t'appelle. Ben, il est plus de 8h et elle n'est pas encore là. Ben oui, d'accord, mais... Oui, bien sûr. Tu ne sais toujours pas où elle est descendue. Bon, écoute, si... Ah, bon, tout de même, on a sonné, c'est là, la voilà. Oui, bien entendu, je t'appellerai demain. Ben, excuse-moi de t'avoir dérangé, hein ? Bonsoir, moi. Oui, oui, voilà, j'arrive. Toi ? Oui, mon chéri, c'est moi. Mais tu es folle. Non, ne t'inquiète pas, laisse-moi. Non, maintenant, Duclair, je t'en supplie, va-t'en. Va-t'en, tu vas tout gâcher. Tout quoi ? J'attends Olga d'un instant à l'autre, je ne veux pas qu'elle te trouve là. C'est elle qui m'a demandé de venir. C'est... Quoi ? Oui, elle m'a téléphoné tout à l'heure après ton départ. Venez donc bavarder avec nous, que nous tâchons d'éclaircir un peu la situation. Elle était très calme, très aimable, même. Ah, j'aurais dû me douter qu'elle ne jouait quelque chose de ce genre. Tu vas rentrer chez toi immédiatement, tu entends? Mais puisque... Non, ne discute pas, je t'en prie, va-t'en. Non, mais c'est pas la peine de te mettre en travers de la porte, je ne vais pas entrer de force. Mais enfin, tu ne comprends donc pas que c'est un piège? Ne crie pas, les voisins vont t'entendre. Bon. Non, c'est bon, allez, on rentre une seconde. Maintenant, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je connais ma femme et je sais de quoi elle est capable. Elle va tout faire pour nous séparer. Tu entends tout? Si elle t'a demandé de venir, c'est qu'elle pense en avoir les moyens. Quels moyens? Tu m'as dit et redit que personne ne pouvait rien contre nous. Mais c'est vrai, je le pense. Mais pour Olga, c'est différent. Parce que tu m'as menti, c'est ça? Menti? Tu ne lui as rien dit pour nous? Mais réfléchis deux secondes, voyons. Si elle t'a téléphoné, c'est bien qu'elle est au courant. Et pas forcément par toi. Tu lui as dit mon nom? Quoi, ton nom? Lorsque tu lui as parlé de moi, tu n'es pas allé jusqu'à lui donner mon nom et mon numéro de téléphone, je suppose. Ah, évidemment non. Donc elle a entendu parler de moi par ailleurs. Et cela ne prouve pas que tu l'aies fait, toi. Mais regarde-moi, Claire. Non seulement j'ai parlé à Olga, mais je lui ai dit que je voulais divorcer pour t'épouser. Ça, je te le jure. Alors tu n'as rien à craindre. Il ne peut rien nous arriver. Mais tu es une enfant, mon chéri. Pour la dernière fois, va-t'en, je t'en prie. Non, Jacques. Mais pourquoi t'entêter? Tu vas m'obliger à... À quoi? Non, non, je ne peux pas t'expliquer. Pas maintenant. C'est quelque chose que je devrais te dire, mais nous n'en avons pas le temps. Non, ça ne fait rien, je peux tout aussi bien l'entendre de sa bouche à elle. Mais quoi, elle? Qu'est-ce que tu t'imagines? Je n'imagine pas, mon chéri. Je veux te prouver que je peux tout entendre, c'est tout. Mais tu n'as rien à me prouver, c'est ridicule. Bon, laissons ça. Montre-moi un peu l'appartement. Tiens, ça n'a pas l'air si mal que ça, tu sais. Je trouve difficile. Non, Claire, non, je t'en prie, non, n'essaie pas de me donner le change. Le change? Ma femme t'a demandé de venir. Bon, tu as pris ça pour une sorte de défi et tu es venu, mais tu as eu tort. Même sans revolver, Olga peut être très dangereux, je te l'ai dit 100 fois. Peut-être que tu me l'as trop dit, justement. Ça donne envie de se mesurer à la fin. C'est pour elle que tu as préparé de la glace? C'est pour elle, oui. Ne te fâche pas, voyons. Ah. Tu as bien fait. 2 ans de whisky chaud, ça doit être épouvantable. Chaud ou glacé, je doute que l'on doive beaucoup de whisky en prison. Tu en veux, hein? Pourquoi pas? Tu sais à quoi j'ai pensé après son coup de téléphone? Je me suis demandé si elle n'avait pas décidé de me tuer, non, moi non, aussi. Non, non, je t'en prie, ne commence pas à faire du roman, ça non. Pour nous faire du mal, Olga n'aura pas besoin d'armes, crois-moi. Je t'ai jamais vu aussi nerveux, tu sais. Elle te fait donc si peur. Non, je me méfie de sa détermination et de son sang-froid, c'est tout. Pour tuer Simone Vendrell, il a bien fallu qu'elle le perde, son beau sang-froid. Tiens, bois, cesse de dire des bêtises, hein.
Si Zimol Vendrell ne l'avait pas provoqué, si elle n'avait pas posé elle-même un revolver sur la table, rien ne serait arrivé. Et je ne t'aurais peut-être jamais connue. Dans le fond, je devrais la remercier, ta femme. Claire, je t'en prie, va-t'en. Là, si tu restes, je ne réponds de rien. Je n'aime pas te voir comme ça, Jacques. Je n'aime pas que tu aies peur. Moi, je t'aime et je n'ai peur de rien. Non, enfin, nous ne sommes pas des gamins, que diable. Qu'est-ce que tu espères? Que tu vas dire à Olga, regardez-nous, regardez comme on s'aime, et qu'elle va nous donner sa bénédiction? Mais et toi, de quoi as-tu si peur? Qu'elle me parle de tes infidélités, de ta vie dissolue. Je le sais bien que tu n'es pas un homme de tourpeau. Tu le sais parce que je te l'ai dit moi-même. Mais dans la bouche d'Olga, ce sera différent. Crois-tu que je... Faut aller ouvrir, Jacques. Reste là, ne bouge pas. Reste là, il faut que je lui parle d'abord. Bien. Deux minutes, hein? Juste deux minutes. Oh, prends ton temps et sois sans crainte, va. Je n'essaierai pas d'écouter. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, Olga. C'est assez mal éclairé, mais je te trouve bonne mine quand même. Tu vas bien? J'irai mieux lorsque je saurai ce que tu mijotes. Pourquoi ne m'avoir pas prévenu de ta libération? Besoin de me refaire une beauté et un semblant de garde-robe. Ta petite amie est là? Elle s'est rendue à ton invitation, oui. Ne la laissons pas seule. Viens. Un instant. Je vais te parler. Non, Jacques. Non. C'est précisément pour que tu ne puisses pas le faire que je lui ai demandé de venir. Je te connais. Tu serais capable de me convaincre. Écoute-moi bien, Olga. J'ignore tes intentions, mais quoi que tu puisses dire ou faire, toi et moi, c'est fini. Seulement, je tiens à cette femme et je te préviens. Si jamais tu parvenais à la détourner de moi, ça, je te jure que tu le regretterais. C'est tout? Non. Je te signale encore que je possède un revolver dans ma chambre. Ne m'oblige pas à y aller, ça vaudra mieux. Diable! À ce point-là? Oui. Oui, à ce point-là. Tu me donnes très envie de la connaître. Nous y allons? Oui, mais pour la dernière fois, prends garde. Je te jure que je ne plaisante pas. Je sais. C'est ton seul côté vieux jeu et c'est dommage, mais tu as le goût des amours tragiques. Passe devant, je te suis. Non, je t'en prie, reste assise. Voici Olga, ma femme. Claire Monteil. Ravie de vous connaître, mademoiselle. Les amis de mon mari sont mes amis. Oh non, ne commençons pas par un quiproquo, veux-tu? Claire n'est pas simplement pour moi une amie, et tu le sais très bien. Mais bon. Décidément, il ne changera jamais, il adore les points sur les i. Mais rasseyez-vous donc, je vous en prie. Est-ce bien nécessaire? Vous m'avez fait venir afin de clarifier la situation. Je vous écoute. Soyez pas si vive, voyons. N'oubliez pas que je suis à peine sortie de prison. Se retrouver chez soi après 2 ans de cellule, ça fait quelque chose, vous savez. Laissez-moi me réhabituer un peu. Pourquoi m'avoir convoqué? Il fallait vous réhabituer d'abord? Peut-être me suis-je un peu précipité, vous avez raison. Mais maintenant que vous êtes là, n'allez pas repartir. Asseyons-nous toutes deux, je vous en prie. Puisque vous y tenez. Je te sers un scotch? Ah, ça je veux bien, oui. S'il te plaît, sans eau, mais avec beaucoup de glace. Bien. Tu as des cigarettes sur la table. Vous fumez? Je veux bien, oui. Merci. Ah. Bien frais et bien tassé. Merci, mon chéri. Oh, excusez-moi, ça m'a échappé. L'habitude. Après 2 ans d'absence? Bien, je vais peut-être vous étonner, mais je ne me suis jamais sentie aussi près de mon mari que durant ces 2 années. Arrachée à mes affections, à mes habitudes, je les ai sans doute, comment dit-on, cristallisées. D'autant que l'on ne nous offrait guère de compensation. Jacques était au dehors, lui. Pardon?
Claire veut dire que, n'étant pas enfermé, j'ai eu tout le loisir d'acquérir d'autres habitudes. Oui, bien sûr, mon chéri, bien sûr, c'est normal, je ne te fais pas de reproches, seulement... Seulement ? Depuis combien de temps connais-tu mademoiselle ? Oh, un peu plus d'un an, je crois te l'avoir dit. Un an ? C'est un petit bail, évidemment. Mais nous avons vécu ensemble durant 10 ans, toi et moi. Assez mal, tout de même, non ? C'est mon mari qui vous a dit ça ? Bah, évidemment, c'est moi. Tu ne vas tout de même pas prétendre que ces 10 années ont été heureuses, hein ? Qui sait ? Quand on a la faculté, ce qui est mon cas, d'oublier le mauvais pour ne se souvenir que du bon, le bilan est finalement assez positif. Oui, ben laissons le passé, veux-tu ? Je t'ai parlé de Claire, je t'ai dit mes intentions et elles n'ont pas varié. Bien, bien, bien. Bon, ben je ne vous demanderai qu'une petite minute, le temps de me rafraîchir un peu. Ensuite, nous entrerons dans le vif du sujet, je vous le promets. Excusez-moi. Alors ? J'ai une impression bizarre. Ta femme a l'air de jouer au poker et de détenir un carré d'as. Qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Elle a trop d'assurance. Et toi, pas assez. Je trouve ça inquiétant. C'est plus facile pour elle que pour moi, tu sais. Ah, elle savait ce qu'elle faisait en te demandant de venir. Autrement dit, ma présence te gêne. D'une certaine façon, oui. Tu n'aurais pas dû venir, je te l'ai dit d'entrée. Ah, évidemment, si je n'étais pas là, tu pourrais user de ton charme pour arrondir les angles, comme tu dis parfois. Mon, tu es folle, voyons. Qu'est-ce que tu vas chercher ? Non, il n'y a pas 5 minutes qu'elle est arrivée, je veux pas la brusquer, c'est tout. Très bien, Jacques. Très bien. Fais comme tu l'entends. Seulement, je te préviens, je n'ai pas l'intention de passer la nuit à vous écouter. Dans une demi-heure, je m'en vais. Pourquoi dans une demi-heure ? Pour annoncer à ta femme que tu divorces et que tu lui laisses l'appartement, ça me paraît largement suffisant. Oui. Oui, bien sûr, mais... Mais quoi ? Oh, non, rien, rien. Je peux pas t'expliquer maintenant, nous n'avons pas le temps. Mais Claire, il y a quelque chose dont tu ne dois pas douter. Je t'aime, t'entends, je vais t'épouser. Je ne t'ai jamais menti nous concernant, je te le jure. Ce qui sous-entend que tu m'as menti par ailleurs. Depuis que je t'ai rencontré, je suis un autre homme. Tu le sais, je te l'ai dit. C'est pas simple façon de parler, j'ai vraiment changé. Seulement il y a l'autre. Celui que tu étais auparavant. Et tu as peur que ta femme ne m'embrosse un portrait trop détaillé. Il y a de cela, mais oui. Mais tu as tort. Sois sans crainte, je te l'ai dit en arrivant, je peux tout entendre, tout. Moi aussi, je t'aime. Voilà. Je n'ai pas été trop longue, j'espère. C'est tout de même merveilleux, une salle de bain, vous savez. Je crois que je ne pourrai plus jamais prendre une douche ou simplement me laver les mains sans apprécier au maximum. En somme, pour mieux apprécier notre confort, nous devrions tous faire un petit tour en prison. Pas un petit tour, non. Un vrai séjour. Olga. Oui ? Olga, Claire ne peut pas rester. Elle doit partir dans une demi-heure. Mais c'est pas sérieux, voyons. Vous allez dîner avec nous. Non, j'ai déjà dîné, je vous remercie. Ah bon ? Et toi ? Non, moi je n'ai pas faim, mais je t'ai préparé un encas. Ouais, en somme, je n'ai pas le droit d'avoir faim. Explique-toi d'abord, tu mangeras ensuite. Bon, à qui la faute, hein ? Ce n'est pas... Mais ce n'est pas toi qui as convoqué mademoiselle, c'est entendu. Bon. Eh bien, soit, parlons d'abord. Et permettez-moi pour commencer de vous remercier, mademoiselle. Et Jacques m'a parlé de vous. Je sais ce que vous avez été pour lui. Il semble avoir passablement changé et je suis persuadée que c'est grâce à vous. C'est presque un homme maintenant. Non, n'exagère pas. Dis-nous ce que tu veux et pourquoi tu as convoqué Claire, mais fais-nous grâce de tes sarcasmes, oh, je t'en prie. Moi, je ne veux rien, mon chéri. Je sors de prison, je retrouve mon mari, ma maison, je suis heureuse, c'est tout. Et mon intention de divorcer, qu'en fais-tu ? Mais que veux-tu que j'en fasse ? Que peut-on faire avec une intention ? On peut en faire une affirmation, en tout cas. Je veux divorcer, Olga, un point, c'est tout. Eh bien, fais-le. Tu n'as pas besoin de moi pour ça. Pas besoin de toi. Mais bien sûr que non. Il y a 2 ans, j'ai tué ta maîtresse et j'étais condamnée à 5 ans de réclusion. Bon, si tu l'avais voulu, tu l'aurais obtenu quasiment d'office, le divorce. Mais je n'ai connu Claire qu'il y a 1 an. Et c'est pour elle que je veux divorcer. Et pourquoi n'as-tu pas fait à ce moment-là ?
Tu le demandes ? Non, à vrai dire, non. Pas la peine, je t'entends ici. C'est tout de même ma femme, j'ai vécu 10 ans avec elle, attendant qu'elle soit libérée, ce sera plus propre. C'est presque cela, à cette différence près que c'est moi qui ai tenu ce langage et non Jacques. Eh bien, dans ce cas, disons que votre délicatesse lui a rendu un fier service. Parce que ? Parce que mon mari est un velléitaire, et il n'est pas totalement inconscient, mademoiselle. Qu'il soit amoureux de vous, je n'en doute pas un instant. Mais ça ne suffit pas. Au fond de lui-même, il sait très bien qu'il ne pourra jamais se passer de moi. Écoute-moi bien, Olga. Toi et moi, c'est fini, je te le répète. Mais je parle uniquement de notre mariage. Pour le reste, nous pouvons demeurer des amis, et c'est à quoi je voudrais parvenir. C'est banal, mais compréhensible. On récuse l'épouse tout en souhaitant garder la confidente. La confidente de quoi ? Disons de son moi le plus intime. Et ne croyez pas que j'emploie cette expression clinique par hasard. D'une certaine façon, j'ai toujours été le psychiatre de mon mari. Auprès de moi, il se défoule. À moi, il peut tout dire. Ce qui lui permet de repartir et de caracoler. Non, laisse, Jacques. Donnez-moi un exemple, voulez-vous ? Un exemple ? Oui, citez-moi un fait, un seul, dont Jacques n'a pas osé ou n'oserait pas me parler. C'est délicat. En tant que psychiatre, je suis tenue au secret professionnel. Ah non, je vous en prie. N'espérez pas vous en tirer avec une pirouette. Eh bien... Non, je ne peux pas vous répondre, mademoiselle. Je plaisante, bien sûr, en parlant de secret professionnel. Mais le fait est que je n'ai pas le droit de me substituer à mon mari. Tout ce que je puis vous dire, c'est que vous le connaissez fort mal et que cela est dangereux. Et combien même ? En quoi est-ce ton affaire ? Tu es mon mari, je t'aime, je souhaite te garder. Oh, pas de force, bien sûr, je n'irai plus jusqu'à tuer. Seulement moi, vois-tu, je t'aime tel que tu es, avec tes défauts, tes faiblesses et même... tes petitesses. M'effacer devant mademoiselle, je veux bien m'y résoudre. Mais à la condition que tu te montres à elle tout entier. J'accepte de te perdre, mais pas sur un malentendu. Mais quel malentendu ? De quoi parlez-vous à la fin ? Je parle de Jacques et de l'homme nouveau qu'il prétend être devenu. Je n'y crois pas. Vous venez de dire je l'aime, je veux le garder, mais je n'irai plus jusqu'à tuer. Si vous avez pu changer, pourquoi pas lui ? Mais vous m'avez mal comprise. Je me suis mal exprimée. Que Jacques ait changé, que son comportement soit nouveau, c'est possible. Seulement cela est tout neuf. Ça date d'un an à peine, et Jacques en a 35. Vous êtes prête à l'épouser, mais vous ne savez rien de lui, ou presque rien. Un an sur quelques 20 années de vie responsable, c'est peu, croyez-moi. Et tu t'imagines... Non, laisse-moi peut-être... répondre, Jacques. Premièrement, si vous croyez tout savoir d'un homme parce que vous avez vécu 10 ans avec lui, c'est que vous êtes bien naïve. Secondement, et ceci est le plus important, ce n'est pas à vous de choisir. Qu'il y ait des risques, c'est possible, il y en a partout. Mais c'est à moi qu'il appartient de décider. Je ne prétends pas autre chose. Mais encore faut-il les connaître, les risques ? Eh bien, vas-y, alors, va, allez, va ! Dis tout ce que tu sais, tout ce que tu as sur le cœur. Complètement portrait, hein ? À tout prendre, cela vaudra mieux que tes phrases creuses et tes sous-entendus. On vous écoute ? Non. Quoi, non ? C'est pas à moi de faire ton portrait. Une demi-heure n'y suffirait pas, d'ailleurs. Commencez par un croquis, nous verrons bien. Qu'en penses-tu, Jacques ? Veux-tu que je te croque ? Tout cru ou sur le vif, comme on dit ? Je voudrais surtout que tu cesses de parler pour ne rien dire. On peut tout dire en une demi-heure. Tout. Tu entends ? Et si tu faisais plutôt ton autoportrait ? Ce serait peut-être le... Ben, où vas-tu ? Dans ma chambre. Chercher un mouchoir... J'en ai pour un instant, excusez-moi. Et voilà. C'est tout, Jacques. On est installé, on croit parler sérieusement, et puis hop, là, monsieur vous plante là, en quête d'un mouchoir. Un autre whisky ? Non, merci. Eh bien, moi, si. Mais c'est surtout pour la glace. J'ai si souvent rêvé de boire frais. Jacques est un étrange animal. Vous ne trouvez pas ? On se laisse prendre à son charme, on croit le connaître, et puis... Et puis ? Non, rien. Votre situation est sans doute particulière, vous le connaissez depuis trop peu de temps. Dans le fond, je crois que c'est un gosse. Un enfant gâté qui peut devenir parfois un très sale gosse. Dites-moi, est-ce que vous êtes certaine de toujours comprendre ce que vous dites ? Pardon ?
Faire des phrases et prendre des airs mystérieux, c'est facile. Seulement, il y a plus d'un quart d'heure que nous parlons et j'en suis toujours à me demander où vous voulez en venir. Ne soyez pas trop pressés, croyez-moi. Tout cela peut avoir l'apparence d'un jeu et d'une certaine façon, c'en est un. Mais c'est un jeu terriblement dangereux, je vous assure. Pour qui ? Pour tous. Pour vous, pour moi, pour lui. Bien. Mais puisque le jeu est entamé, et puisqu'aussi bien j'en fais partie, vous pourriez peut-être m'en indiquer la règle. Et nous allons la demander à Jacques. Le voici qui revient. Alors, tu as trouvé ce que tu cherchais ? Oui, oui. Et tu as tout ce qu'il te faut ? Tu es suffisamment armé pour la conversation ? Je pense que oui. Alors, c'est parfait. Mais il paraît que nous ne sommes pas très clairs. Toi et moi, mademoiselle demande à connaître la règle du jeu. Il n'y a ni jeu ni règle. Il n'y a même pas de problème. Tu as voulu m'embarrasser en invitant Cléry. D'une certaine façon, tu y as réussi. Mais ça ne change rien à ma décision. Nous allons divorcer, Olga. Mis à part quelques livres et bibelots auxquels je tiens, je te laisse l'appartement au complet et je te verserai une pension raisonnable. À condition toutefois que nous nous séparions à l'amiable, bien entendu. Dans le cas contraire, alors là, les choses seront beaucoup moins faciles. Ah. Alors ? Alors quoi ? C'est clair, me semble-t-il. Oui et non. C'est très clair si nous nous séparons à l'amiable, comme tu dis. Mais dans le cas contraire, pas tellement. Que feras-tu si je refuse ? Mais tu ne peux pas refuser. J'obtiendrai le divorce quand je le veux. Pourquoi me consulter alors, c'est idiot ? On prend garde, Olga. Je me suis montré patient, je le suis encore, mais je te préviens. Non, c'est assez, Jacques. Tu as suffisamment prévenu et je ne suis pas complètement stupide. Vous ne cessez de parler autour de quelque chose que j'ignore, quelque chose que tu ne veux pas que je sache et que ta femme menace de me révéler. Eh bien, maintenant, ça suffit. Vous me dites ce dont il s'agit ou alors je m'en vais. Mais je croyais vous l'avoir dit, ce dont il s'agit. Je n'accepterai de perdre Jacques que si vous le prenez tout entier tel qu'il est réellement. C'est-à-dire ? Vous prétendez l'aimer, mais vous ne savez rien de lui, ou presque rien. Vous êtes sa maîtresse, c'est facile. C'est un rôle que j'ai tenu aussi. Je sais combien il peut être agréable. Mais lorsque vous serez sa femme, si vous l'épousez, tout changera. Vous ne tiendrez pas 2 ans. Et quand cela serait ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Ah, pardon, je l'aime tel qu'il est, moi, et je tiens à le garder, je vous l'ai dit. Si c'est pour me le rendre... Quand, mais quand auras-tu fini de me traiter comme un objet, tu... Hein ? Préviens-moi. Mais tu es un objet, mon chéri. Un objet de valeur, et que l'on se dispute. Mais un objet. Si tu étais un homme, nous ne serions pas là à discuter interminablement. Bien. Bien, tu as raison, je suppose. Claire, j'ai toujours été une sorte de marionnette, c'est vrai. Préoccupé de mon seul bien-être, refusant les responsabilités, j'ai toujours choisi la route la plus large, même lorsqu'elle n'avait pas ma préférence. Bon, pour ce... Enfin, pour ce qui nous concerne, une fois encore, j'avais choisi le plus facile. Je voulais t'emmener par la grande route, ma petite Claire, seulement... C'est une route à péage. Exactement. Oui. Mais je vais payer ce qu'il faut. Un instant, ça. Il faut d'abord... Non, non, je t'en prie. Hein. N'essaie pas encore de brouiller les cartes. Tu m'as mis en demeure de parler, alors laisse-moi le faire. Mais pas avant de t'avoir mis en garde. Tu es trop exalté en ce moment. Tu es prêt à tout. Tu vas risquer l'irréparable. Tu ne vas pas me le reprocher quand même, hein ? Tu me traites de lâche. Alors tu m'accuses de ne pas être un homme. Et maintenant... J'ai eu tort. Je te demande pardon. Moi, j'ai un compromis à vous proposer. Une solution provisoire qui nous permettrait de réfléchir. Et de ne pas en arriver peut-être à cet irréparable. Trop tard. Il fallait réfléchir avant. Au point où nous en sommes, je veux savoir de quoi vous parlez. Réparable ou non, il n'y a que moi qui puisse le dire. Écoutez-moi quand même, je vous en prie. Jacques a peut-être changé, c'est possible, je commence à le croire. Mais il est trop tôt. Trop tôt pour affirmer que ce changement est définitif. Ne bouleversons pas tout. Laissons passer un peu de temps. Oui, oui, bien sûr. Gagnons du temps. C'est ton système favori, je m'y suis toujours laissé prendre. Mais pas aujourd'hui. Donc Claire a raison, il est trop tard. Et prends le temps de réfléchir, je t'en prie. Ne serait-ce que 24 heures, tu vas tout gâcher. Claire. Oui. Tu m'as dit et répété que tu pouvais tout entendre. Le crois-tu toujours ? Oui, Jacques. Toujours. Ce que j'ai à te dire est grave. Tu sais, terriblement grave. Je t'écoute, vous êtes folle.
Peut-être, n'empêche que c'est vous qui avez peur à présent. Jacques, je t'écoute. Il s'agit de Simone Vandrelle, de ma liaison avec elle, et enfin, des sentiments qu'elle m'a inspirés. Tu l'as beaucoup aimée, je sais. C'est trop peu dire. Cette fille m'avait fait perdre la tête, j'en étais complètement fou. Et bien entendu, comme presque toujours en pareil cas, elle se moquait de moi. Mais je comprends pas, tu m'avais dit... Et je t'ai dit que j'en étais très amoureux, oui. Et tu en as déduit tout naturellement que, enfin, qu'elle me payait de retour. En fait, Claire, je n'ai jamais compté pour elle. Le jour du drame, elle m'avait annoncé son intention de rompre. Mais non, au non, procès... Non. Je t'en prie, laisse-moi parler. Ce qui s'est dit au procès ne compte pas, ne peut pas compter. Les témoins étaient de bonne foi, les magistrats et les avocats également, mais... Enfin, tout était faussé au départ. C'est moi qui ai tué Simone Vandrelle. Qu'est-ce que tu dis? Oui. Elle avait décidé de me quitter. Elle me l'avait annoncé en riant, assommée, niant l'évidence. Je me suis mis à la menacer. Plus je menaçais, plus elle riait. Et plus elle riait, plus ma rage augmentait. Oh, pour le reste, les choses se sont passées à peu près comme on l'a dit. Exaspérée par mes menaces, voulant me défier, Simone est allée chercher un revolver qu'elle possédait. Elle l'a posé devant moi, presque sous ma main, puis elle est allée s'asseoir, tranquillement, me faisant face. Elle m'a gratifié d'un petit sourire moqueur, puis elle m'a dit doucement, « Si tu ne peux vraiment pas supporter de me perdre, c'est le seul moyen, tire. » J'ai pris l'arme dans ma main, je l'ai regardée, je l'ai dirigée vers Simone. Elle souriait toujours. Et puis j'ai pressé sur la détente. La détonation m'a fait sursauter comme au sortir d'un rêve. J'ai vu Simone s'affaisser avec une incroyable expression de surprise. Je suis demeuré comme assommé, je sais combien de temps, et puis j'ai décidé de prévenir la police. J'ai saisi le téléphone, je voulais faire le 17, puis j'ai finalement composé mon propre numéro. Un quart d'heure plus tard, même pas, Olga était là. Et tu as accepté ? Accepté, c'est le mot. C'est effectivement moi qui ai eu cette idée. Personne n'avait entendu le coup de feu, personne ne m'avait vu arriver. À moins d'un hasard malencontreux, la substitution était possible. La suite m'a donné raison. Comment as-tu pu, Jacques? Il était assommé, il vient de vous le dire. Quand je suis arrivée, il était assis, prostré, une main sur le téléphone, ne cessant de répéter qu'il fallait appeler la police. Moi, j'ai d'abord cherché un moyen de nous en tirer tous les deux. Faire croire au suicide, à un crime crapuleux, à je ne sais quoi. Et puis l'idée m'est venue brusquement. Pour un homme marié, tuant une maîtresse qui voulait le quitter, c'était 20 ans de travaux forcés presque à coup sûr. Pour moi, par contre, épouse trompée, tuant par jalousie, les circonstances atténuantes joueraient forcément. Posé ainsi, le problème était résolu. Tant qu'à être séparés, mieux valait choisir la peine la plus courte. Et qui mettait Jacques à votre merci? Inconsciemment. Oui, peut-être. Mais toi, Jacques, comment as-tu pu accepter ça? Sur le moment, à la rigueur, je peux le comprendre, mais après, durant le procès et durant ces 2 années... Mais Olga te l'a dit. Pourquoi? Et moi aussi? Parce que j'étais un lâche. Bon. Je vais partir maintenant. C'est la seule chose à faire, je crois. Claire. Non, Claire, écoute-moi, Jacques, c'est fini. Tu vas m'expliquer, me dire que tu m'aimes, mais c'est inutile. Nous avons été très heureux depuis un an, c'est vrai. Mais c'était un bonheur volé, et je ne pourrai jamais l'oublier. Un bonheur volé? Que tu aies supporté de voir ta femme en prison à ta place, c'est déjà... Je ne trouve pas le mot,
C'est énorme. Mais qu'en plus tu te sois mis à vivre comme un homme libre, que tu aies pu faire des projets nous concernant, c'est consternant d'inconscience et d'égoïsme. Mais Claire, tu ne comprends donc pas que... Je comprends surtout que je n'ai même pas la possibilité de me battre. Ta femme t'a traité d'objet que l'on se dispute, mais c'est encore bien en dessous de la réalité. Tu es une marchandise, et elle t'a payé d'avance. Claire... Je vous demande pardon, madame. Je ne pouvais pas savoir. Vous n'entendrez plus parler de moi, soyez sans crainte. Claire, non, tu peux pas. Non, mais tu n'as pas le droit de me condamner ainsi. Oh, je ne te condamne pas, Jacques. Je renonce à l'impossible, c'est tout. Tu te croyais devenu un homme nouveau. Ce n'était qu'une couche de vernis supplémentaire. Adieu, Jacques. Bonsoir, madame. Restez encore un peu, je vous le demande. Mais à quoi bon? Que pourriez-vous dire qui changerait quoi que ce soit au fait? Oui, tu as raison, Claire. Allez, va-t'en, va-t'en. Mais tu sauras bientôt que je n'avais pas menti, que grâce à toi, j'étais vraiment devenu un autre homme. Allez, va, accompagne-la, Olga. Non, c'est pas la peine, je trouverai bien la porte. Je vous souhaite bonne chance, à tous les deux. Satisfaite? Oh non. Elle est très bien, cette petite. Tu as décidément beaucoup de chance. Dommage que tu n'aies pas choisi de lui parler à temps. Tu aurais pu, je crois. Au début, j'ai pas osé, je pouvais pas savoir. Après, il était trop tard. Tu vas connaître des mois difficiles, mais tu oublieras. Si vraiment tu le penses, alors c'est que tu n'as rien compris. Qu'est-ce que tu veux dire? Claire est perdue pour moi irrémédiablement. Si j'avais eu la moindre chance, je ne l'aurais pas laissée partir. Seulement... Oui? Je peux encore lui prouver que je n'avais pas menti, qu'il a véritablement fait de moi un autre homme. Mais il me reste pour cela un moyen, un seul. Tu ne vas pas dire que... Si, Olga... Exactement. Mais tu es fou, tu es complètement fou. Ça va te coûter le maximum. Oui, je sais. Mais écoute-moi, je t'en prie. Je comprends ce que tu ressens, je comprends que tu veuilles faire ça, mais ça n'est valable qu'aujourd'hui, crois-moi. Dans quelque temps, très vite peut-être, tu le regretterais amèrement. Non, c'est possible, improbable. Alors écoute-moi, je t'en prie. Non, c'est toi qui aurais dû m'écouter, je t'avais prévu. Oh, j'ai eu tort, c'est vrai, mais je pouvais pas savoir. Non, c'est exactement cela, ma pauvre Olga, tu ne pouvais pas savoir. Et maintenant que tu as compris, il est trop tard. Non, attends, écoute-moi. Nous allons divorcer, là, j'accepte tout, la petite te reviendra. Mais fais pas ça, je t'en conjure, ne fais pas ça. Trop tard, je ne peux pas ne pas le faire. Fais pas ça. Allô? Est-ce que le commissaire Vernier est à son bureau, je vous prie? De la part de Jacques Sester. Sester, oui. Bien, merci, j'attends. Tu peux pas faire ça, c'est de la démence. J'ai payé pour toi, c'est fini tout ça. Non, c'est ce que disait Claire, oui, tu as payé pour moi. Malheureusement, ma pauvre Olga, les marchandises payées d'avance n'arrivent pas toujours. Je te laisserai pas faire, pose ce téléphone. Allons, reste où tu es. Si tu fais un pas de plus, je tire. Eh bien, va, tire, peu m'importe, je préfère même. Non. Non, n'espère pas que je vais te tuer. Si tu m'obliges à tirer, ce sera dans les jambes. Juste pour t'empêcher d'atteindre ce téléphone. Ah, très bien. Bon. Tu es le plus fort, fais ce que tu veux. Ce n'est pas contre toi que je fais cela, Olga. Seulement je... Allô? Oui. Bonsoir, commissaire. Ici Jacques Sester. Vous vous souvenez? Oui, c'est cela, oui. Non, je vous appelle pour vous dire que vous aviez vu juste il y a 2 ans. Et que vos soupçons étaient fondés. C'est moi qui ai tué Simone Vandrel. Oui. Oui, je suis chez moi. Très bien, je vous attends. Thank you.
Thank you.